Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de l'équipe de formation technologique, un département de la division informatique des écoles publiques du comté de Prince-George. Dans les vidéos précédentes, nous avons montré aux parents et aux fournisseurs de soins comment s'inscrire sur le portail familial SchoolMax et comment consulter les dossiers des élèves tels que ceux des présences et des notes. Aujourd'hui, nous allons montrer aux parents et aux fournisseurs de soins ce qu'il faut faire si vous oubliez votre mot de passe. Avant de pouvoir réinitialiser votre mot de passe, vous devez disposer des informations suivantes. Un accès au compte de courrier électronique que vous avez utilisé lors de votre première inscription sur le portail familial. Les réponses aux questions de défi que vous avez posées lors de la procédure d'enregistrement. Si vous ne disposez pas de ces deux éléments, vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe par vous-même et vous devez plutôt contacter l'administrateur du portail familial de l'école de votre élève. Vous avez tout ce qu'il vous faut, alors commençons. Allez sur www.pgcps.org, cliquez sur Menu, cliquez sur Parent Portal, Portail parental, cliquez sur le lien où il est écrit Please click here to reset password. Veuillez cliquer ici pour réinitialiser le mot de passe. Saisissez votre adresse électronique dans la zone de texte, cliquez sur Submit pour soumettre. Ouvrez votre boîte de réception et cherchez un message avec le sujet PGCPS SchoolMax Family Portal Password Reset. Réinitialisation du mot de passe du portail familial SchoolMax de PGCPS. Le message peut prendre plusieurs minutes à arriver. Si vous ne le voyez toujours pas après ce délai, consultez votre dossier spam ou courrier indésirable. Ouvrez le message et cliquez sur Link to Reset Password. Lien pour réinitialiser le mot de passe. Répondez aux questions de sécurité que vous avez sélectionnées lors de la procédure d'enregistrement. Entrez le nouveau mot de passe. Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe dans la zone de texte Confirm Password pour confirmer le mot de passe. Cliquez sur le bouton Reset Password pour réinitialiser le mot de passe. Vous recevrez un message de confirmation que votre mot de passe a été modifié. Ceci est une production de l'équipe de formation technologique avec l'aide du bureau de traduction. Merci d'avoir visionné.